Salut tout le monde, aujourd'hui épisode voyage et je vous emmène avec moi dans le Kansai et plus précisément dans la vallée se trouvant au nord de la ville de Kobe. Nous allons donc visiter Harima Onsen ainsi que le mont Rokko. Aujourd'hui, Harima Onsen est un grand centre touristique avec de gros hôtels pas super beaux. Mais il reste toujours une petite partie de vieille ville qui est vraiment sympa à visiter à pied. Alors suivez-moi. Suisse ici ou quoi? Ce centre d'eau thermale regroupe plusieurs sources et a deux bains publics, le Kinnoyu et le Ginnoyu. Je vais d'abord tester le Ginnoyu car il se situe un peu plus à l'écart de la ville et j'espère qu'il y aura un peu moins de monde. Et voici qu'inaugure mon premier onsen de ce voyage au Japon. Donc j'ai fait le Ginnoyu et est-ce que vous connaissez l'histoire du con qui n'amène pas de serviette et qui n'en loue pas? C'est moi. Donc en fait j'ai remis mes fringues en étant complètement trempé. Heureusement il fait pas moche, il y a du soleil donc bon, je suis légèrement mouillé mais c'est pas la mort quoi. Et maintenant, je vais prendre un peu de hauteur avec un téléphérique pour aller sur le mont Rokko.
plutôt une belle vue de Kobe, ça, non? Je suis donc allé au Mont Loko depuis les Onsen avec le téléphérique et ici il y a une petite animation sur le thème suisse et forcément au Japon, la chose la plus suisse qui existe, c'est Heidi. Il est maintenant temps pour moi de retourner du côté de Harima pour aller tester le Kinnoyu. Je sors tout juste du Kinnoyu, donc j'aurais fait les deux bains publics de la ville de Harima. Franchement, c'est plutôt sympa. La chose marrante dans Kinnoyu, c'est qu'on a l'impression de se baigner dans de l'eau qui est passée dans des tuyaux tout rouillés, étant donné qu'elle est complètement brune, vu qu'elle est très chargée en fer. Et c'est sur cette chute un peu rapide que se termine cet épisode, car après je suis allé rejoindre Alex du blog Nihon Kara sur Kobe, et je comptais continuer de filmer là-bas, mais au final, j'ai préféré profiter du moment. Alors, matane !